Nouveau rendez-vous de la grande édition du journal sur 10e rue Télévision. À vous qui nous suivez des partout dans le monde, bienvenue ce soir si vous nous rejoignez. Tout de suite, les grandes lignes. Au sommaire, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par l'EAC dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC et ancien président de la République du Kenya, est arrivé ce mercredi 12 juillet dans la ville de Goma pour une mise en œuvre des décisions visant le cantonnement et désarmement du M23. Plusieurs personnalités des marques ont répondu favorablement à cette rencontre. Justice à présent, alors qu'il a reçu pour la énième fois le mandat des comparutions émis par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, les sénateurs Matata Mponyo-Sap, l'autorité de toute une institution. Et puis en sport, les Congolais rencontrés en ce jour sur les rues de Kinshasa félicitent et saluent la décision prise par le comité de discipline de la CAF sur le dossier RDC Mauritanie concernant les joueurs Kadim Diaw. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Ouvrons cette édition du journal par cette actualité, comme annoncé en titre, que les facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi 12 juillet dans la ville de Goma. Objectif, la mise en œuvre des décisions visant les cantonnements et désarmements du M23. Et en pris part à cette grande rencontre, Antipas Mbusania Moussi, ministre d'État à l'intégration régionale, le gouverneur du Nord Kivu Constant Ndima, mais également plusieurs autres représentants de la partie RD congolaise. Plus d'amples détails à cet élément réalisé par Yassema Vungara. Le facilitateur vient échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre des décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier sur le cantonnement et le désarmement des troupes du M23. À l'exception du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, intervenant par visioconférence, le facilitateur Uhuru est en face du ministre d'État à l'intégration, Antipas Mbusania Moussi, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, le haut représentant du chef de l'État, Serge Tshibangu, le conseiller militaire du chef de l'État accompagné d'experts pour les comptes du gouvernement congolais. Cette réunion du Goma fait suite à celle de Nairobi tenue le 30 juin dernier avec le même format, à l'issue de laquelle il avait été décidé de l'arrêt des hostilités par le M23 du début des opérations des pré-cantonnements et des mobilisations de troupes du M23. Au sujet de ces opérations, le gouvernement de la République a déjà fait sa part de choses avec le choix et la viabilisation des sites de Rumangabo et celui de Kindu. Pour sa part, le Kenya et le Sud-Soudan y ont déjà déployé leurs troupes pour sécuriser ces corps habilités. La réunion de la facilitation devrait faire le point sur les niveaux des engagements des uns et des autres. La rencontre de Goma vient de démontrer le caractère irréversible du processus de Nairobi, seule voie devant conduire à une issue pacifique de la guerre d'agression. Tout à fait autre chose à présent, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part mardi dernier par visioconférence à un sommet extraordinaire de la Troïka de chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, à savoir notamment des modalités des déploiements de troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo et les échanges entre le chef d'État. Encore une fois, Yassema Vungara nous revient pour le détail. Cette réunion avait deux sujets à l'ordre du jour. Il s'agit d'abord des modalités de déploiement de troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo dans la suite des échanges qui ont déjà eu lieu lors des précédentes réunions de la Troïka. Cette future intervention de la force de la SADC est conforme au devoir d'assistance de cette organisation sous-régionale en faveur de ses membres qui subissent des problèmes sécuritaires. Ensuite, les participants à ces assises ont passé en revue la mission de la SADC au Mozambique où sont
contingent aide le pays à lutter contre des terroristes islamistes à Cabo Delgado. Concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le président de la République a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. L'urgence est de mise et le retour de l'ordre et de la sécurité s'est fait de plus en plus pressant au vu de la situation humanitaire qui prévaut dans le Kivu, a indiqué le chef de l'État. Ce contexte d'instabilité, selon le président Tshisekedi, impose des contraintes aux déplacés qui ne peuvent pour le moment regagner leur domicile et risquent de ne pouvoir exercer le droit qui leur est garanti par la constitution de la RDC de participer aux élections générales à venir. Il faut dire que cette réunion était présidée par Haje Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC. Ces assises ont connu la participation de la Troïka de la SADC, de pays contributeurs, de troupes de la Brigade de la Force des Nations Unies, de pays contributeurs, des personnels de la SAMIM et de la République du Justice à présent, une question se pose. Est-ce que Matata Mponyo défie-t-il la justice congolaise, comme je l'ai aussi annoncé en titre, le sénateur, alors qu'il a reçu le nouveau mandat de comparution par le procureur général près la Cour constitutionnelle Mukolo Kokesha le 10 juillet 2023. Matata Mponyo, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, vient encore une fois de bouder la justice congolaise. Pour quelle raison? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par Yassine Mavungara. Matata Mponyo boude-t-il le mandat du procureur Mukolo Kokesha? Cette question se pose. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a émis le 10 juillet 2023 à Kinshasa un deuxième mandat de comparution à l'endroit du sénateur Augustin Matata Mponyo. L'ancien premier ministre sous le régime de l'ex-président de la République Joseph Kabila est convié de comparaître devant le parquet général près la Cour constitutionnelle le mercredi 12 juillet 2023 à 11h précise pour y être entendu sur des faits infractions lui imputés. Nous lui faisons savoir que, faute de ces faire, il sera contré conformément à la loi, a prévenu le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo dans son mandat de comparution. De son côté, Augustin Matata Mponyo, à part le canal du secrétaire général de son parti politique, Franklin Tshiamala, a zappé le mandat de comparution du procureur général. Matata Mponyo a annoncé qu'il ne se présentera jamais devant le procureur général près la Cour constitutionnelle qui lui a adressé un mandat de comparution. N'est-ce pas jeter en pâture la justice congolaise? Selon l'opinion, cette phrase de Franklin Tshiamala vient encore d'engloutir l'ancien premier ministre Matata Mponyo. N'est-ce pas cela sera qualifié de la dictature, alors que le précité a boudé devant le monde entier l'invitation de la justice congolaise, alors que celle-ci était en bonne et due forme. Matata Mponyo, un impoli de la République, la question se pose. De 9e jeu de la francophonie, on en parle encore dans cette édition du journal où le comité national a organisé le test des judo et des basketball au nouveau gymnase construit sur le site du stade Martyr de la Pentecôte à Kinshasa. C'était aussi une occasion de tester tous les équipements achetés et permettre justement aux différentes équipes du comité d'organisation de s'apprêter chacune dans son domaine. Le précision dans cet élément réalisé par Zed Moukoko, rendu par la rédaction. Les comités nationaux de 9e jeu de la francophonie a réussi avec brio de compétitions tests en judo et basketball dans les gymnases construits sur le site du stade Martyr de la Pentecôte. La première compétition, c'est les judo entre une centaine d'athlètes de la République démocratique du Congo et de la République du Congo et de l'Angola. La deuxième compétition a concerné le basketball entre les équipes féminines de Kinshasa qui se sont affrontées dans un mini tournoi qui a vu l'équipe franco-afro remporter la victoire finale face à la sélection Kinshasa par 40 à 23 au score final. Pour les directeurs nationaux des Jeux, Isidore Kwanja, cette étape est celle qui nous conduit directement dans le bain des compétitions proprement dites. C'est suffisamment assez pour organiser un événement continental. Donc, et nous avons de meilleurs éléments. Je suis très content de la capacité de nos athlètes à jouer des matchs au niveau international. Et je crois que nous allons gagner suffisamment de médailles. Et tout l'honneur revient au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté de construire ces infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Donc c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement la responsabilité des gestionnaires
de ce stade, de ce gymnase. C'est aussi la responsabilité de nos athlètes d'entretenir cet espace pour que ça leur serve, mais que ça serve aussi aux générations futures. Après une journée des compétitions, les vainqueurs ont réussi leur médaille de main de la directrice du Comité international de jeux de la francophonie, Zeina Mina, et du directeur du Comité national, Isidore Kwanja Ngembo. Toujours en ce qui concerne le 9e jeu de la francophonie, mais cette fois-ci, nous allons aller en province du Haut-Katanga, où le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a échangé ce mercredi 12 juillet dans son cabinet de travail avec la délégation du comité national de ces jeux, une cellule de la présidence de la République conduite par Véronique KMB. Leurs échanges ont tourné autour des préparatifs des jeux de la francophonie prévus à Kinshasa d'ici le 28 juillet prochain. On va suivre Véronique KMB dans cet extrait choisi par nos correspondants depuis la province du Haut-Katanga. La réunion de notre visite a été portée sur la quotité que la province du Haut-Katanga doit reverser au niveau du gouvernement central pour l'intérêt de l'organisation des Jeux de la francophonie. Comme vous le saviez bien, à partir du 28 juillet vont se tenir à Kinshasa les 9e Jeux de la francophonie qu'on appelle Kinshasa 2023. Et donc il avait été décidé qu'à 58% il serait financé par le gouvernement central et le reste du financement devait venir des différentes provinces. Et nous sommes donc venus ici pour faire le suivi de ce financement-là. Il a été très ravi de nous recevoir, premièrement, très enthousiasmé de voir que les travaux évoluent très très bien et ils mettent tous la main à la pâte. Vraiment, il est très enthousiasmé et il sait que le Haut-Katanga, qui a toujours accompagné la RDC dans tous les projets et qui finance toujours à une grande hauteur, va pouvoir aussi financer et se rassurer que, venu le 28 juillet, la RDC et son étendard soient hissés au plus haut vraiment de la sphère internationale en termes de diplomatie et de visibilité. Et dans le reste de l'actualité, les régulateurs d'énergie du réseau francophone sont depuis mardi 11 juillet dernier en atelier international à Béatrice Hôtel, ici à Kinshasa, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les participants venus des 32 pays vont partager des expériences et de bonnes pratiques des régulations du secteur énergétique dans le monde. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kengé qui a lancé officiellement ses assises. Nadine Galula et Marco Elda étaient là sur place pour le compte des 10e rue télévision. Électrification au réseau, c'est autour de ces thèmes que les hôtes de Sandrine Moubenga Galula, DG de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, vont durant 4 jours réfléchir pour relever les défis de l'électrification en se basant sur les expériences des autres. Représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a ouvert ses assises, n'a pas hésité de vanter les instruments juridiques que la République démocratique du Congo a mis en place pour la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Le terme choisi par les organisateurs de cet atelier est évocateur d'une longue marche qui a conduit la République démocratique du Congo vers une mutation substantielle dans le secteur de l'électricité. Cette libéralisation a effectivement porté des fruits dans ce secteur. Sandrine Moubenga l'a également reconnu lors de son mot d'ouverture. Le secteur de l'électricité est en pleine croissance. Sous votre impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, la libéralisation du secteur de l'électricité est devenue réalité. À ce jour, nous avons 32 opérateurs qui sont dans la production du courant électrique, dont 12 parmi eux sont identifiés comme producteurs indépendants. 6 opérateurs ont développé et exploitent des lignes haute tension. 16 opérateurs sont dans la distribution. 20 opérateurs sont dans la commercialisation du courant électrique. Cette 12e Assemblée générale des membres de Regulae.fr, qui se tient dans la plus grande ville francophone du monde, chapeautée des mains de maître par Sandrine Moubenga Galula, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle d'électrifier tous les coins de la RDC, a été saluée par Simon Turmel, président de Regulae.fr.
Allons cette fois-ci dans la province du Kasaï central pour parler du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui a au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé lundi 10 juillet dernier les travaux de l'extension et modernisation de l'aéroport des Kananga. Plusieurs personnalités ont pris part notamment à cette cérémonie, le gouverneur de la ville de la province du Kasaï central, allais-je dire, John Kabia Shikai, et le directeur général de la RVA, Alphonse Chungu Maungo. Suivez. Pose de la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kananga. Cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ce lundi 10 juillet 2023 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Dans son mot, le directeur général de la RVA a donné la durée et le coût de la construction de la dite aérogare. Pour votre gouvernement, l'aéroport national de Kananga a vu ses premiers ouvrages autour des années 1953. Ainsi, répondant à la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures de transport aérien en RDC, décider la construction d'une nouvelle aérogare passager à l'aéroport national de Kananga. L'occasion qui nous réunit ces jours restera à jamais gravée dans la mémoire collective des filles et fils de la province de Kasaï central. Le coût global de travaux s'élève à 32 594 423 et la durée estimative des travaux et de 688 jours. Au nom du gouvernement provincial du Kasaï central, John Kabeya Shikai a rendu hommage aux autorités du pays et surtout au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé et réalisé sa vision de la modernité des infrastructures. C'est avec un réel plaisir que j'ai pris parole à ce moment. À l'occasion du lancement de cet important projet qui constitue l'un des axes stratégiques de la politique de développement du secteur du transport du gouvernement central, dont l'objectif est de développer et de moderniser les infrastructures aéroportuaires conformes aux standards internationaux et de promouvoir en même temps les trafics nationaux, afin de faire l'aéroport de Kananga un point d'interaction de la République démocratique du Congo. D'une province à une autre, le ministre provincial de la province du Haut-Katanga, de l'agriculture bien évidemment, a accordé mardi 11 juillet dernier une audience à une délégation de Fossil Group, une compagnie zimbabwéenne spécialisée dans la production des fertilisants agricoles. Joseph Kayumbu a à cet effet accordé une oreille attentive à cette délégation et a réservé une suite favorable à sa proposition. Suivez. C'est une forte délégation qu'a reçue Ars Joseph Kayumba. Les échanges entre le ministre provincial de l'Agriculture et ses hôtes ont tourné autour de l'implantation dans les prochains jours d'une firme agronomique. Simba Kaseke, chef de cette délégation, l'a dit au sortir de l'audience. The purpose of the visit is to explore. Ils sont venus voir le ministre pour lui donner au moins un aperçu de leur projet qu'ils veulent installer ici en RDC. Il dit qu'il était vraiment très collaborant et il pense que dans moins de 2 semaines, ils vont revenir pour commencer maintenant notre collaboration. To make the project a reality. La fabrication sur place des engrais chimiques facilitera la tâche aux nombreux agriculteurs qui s'en procureront sans difficulté. Rappelons que via son ministère de l'Agriculture, le gouvernement Tshabula a réussi à maintenir une politique agricole appréciable. Les populations de la province se procurent à 20 000 francs congolais la farine de maïs made in Haut-Katanga, fruit de la politique agricole du gouvernement Tshabula.
Restons toujours dans la même province pour parler du lancement des activités des colonies des vacances 2023. La cérémonie a été présidée dans l'enceinte du complexe scolaire Kiwele par la ministre provinciale en charge de la jeunesse, Marie-Chantal Kalea. C'était en présence de plusieurs structures d'encadrement de jeunes. Pour l'unité, la paix et la cohésion, ont été lancées officiellement les activités des colonies de vacances par la ministre provinciale en charge de la jeunesse. Marie-Chantal Kalea Kiloufia va pour la circonstance assister à la présentation des différents sketchs et poèmes encourageant les parents à envoyer leurs enfants aux colonies de vacances. La chef de division provinciale de la jeunesse, Laetitia Chimpe, a remercié le gouvernement provincial pour son implication dans l'encadrement de la jeunesse. L'épanouissement sain des jeunes pendant les vacances, voilà les souhaits de la ministre provinciale en charge de la jeunesse, Marie-Chantal Kalea Kiloufia. Par activité de vacances, nous prenons les activités susceptibles d'amuser utilement l'enfant pendant ce temps mort, à l'épargne de l'oisivité, du vagabondage et de tout fléau pouvant nuire à son développement harmonieux. Et les activités organisées doivent refléter l'aspect éducatif, culturel, social ainsi que spirituel, car Dieu est au centre de tout. Ainsi, je déclare lancer officiellement les activités de vacances édition 2023 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Pour faciliter l'exercice des activités sportives et ludiques pendant cette période de vacances, la ministre de la Jeunesse a remis de manière symbolique aux structures d'encadrement de la jeunesse des ballons de football et ceux des basketball ainsi que des jouets et autres jeux. Prenons également ceci afin de quitter la province du Haut-Katanga où la commissaire provinciale au sport, Pauline Iguabi, a reçu mardi 11 juillet dernier en audience dans son cabinet de travail le maire d'Eli Kassi et Mungomba Tamba. Les deux personnalités ont tablé sur la question de la gestion du stade de Kikula dès la ville montagneuse. Suivez. C'est une première rencontre entre la commissaire provinciale au sport et loisirs, Pauline Iguabi, et le maire d'Eli Kassi, accompagné du chef de division provinciale des sports et loisirs et du gestionnaire principal du stade Kikula d'Eli Kassi, le maire Henri Mungomba Ntamba, est allé parler de la situation actuelle du stade Kikula. Pour des solutions en vue d'améliorer le sport à Eli Kassi, et là ce souci-là, et je voudrais l'accompagner, oui. Pour rappel, le gouvernement Kiaboula a initié plusieurs travaux de modernisation des infrastructures au stade Kikula d'Eli Kassi, question de le mettre aux standards internationaux. Les Léopards de la République démocratique du Congo remportent sur tapis vert la double confrontation disputée face au Morabitoun de la Mauritanie en mars dernier dans la ville de Lubumbashi, puis à Nyakchott dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Hervé Kazadi dans cet élément rendu par Elisabeth Ochopé. Le Léopard récupère ainsi le point par forfait, alors que sur terrain, le match s'était soldé sur le score d'un but partout le 28 mars dernier pour le compte de la 4e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire. La Mauritanie a aligné Kadim Diaw alors qu'il n'était pas éligible. Ce défenseur avait joué avec la sélection sénégalaise et n'avait pas respecté la procédure de changement de nationalité sportive. Après avoir constaté la présence de Kadim Diaw à Nouakchott, la Fédération congolaise de football association FECOFA avait tout de suite saisi la CAF et vient d'obtenir gain de cause. La Fédération mauritanienne de football est ainsi sommée de payer une amende de 10 000 dollars. Le joueur Kadim Diaw a été suspendu. Par conséquent, la République démocratique du Congo passe de 7 à 9 points dans son groupe avant d'affronter le Soudan le 4 septembre prochain à domicile. Toutefois, cela ne change pas grand-chose au tableau puisque la RDC devrait soit gagner ou faire match nul pour valider son ticket à la CAN. Ci-dessous, le classement du groupe de la RDC
Après ce changement, groupe I, RDC 9 points, Mauritanie 7 points, Gabon 7 points et le Soudan 6 points. More chances for Gabon. Massive goal mouth scramble here. Replay suggesting, if you look at it, just... Toujours dans le même ordre d'idées, comme vous l'aviez également suivi au début de ce journal, afin de mettre un terme à cette édition, qu'après la décision du comité de discipline de la CAF concernant les dossiers RDC Mauritanie sur le joueur Kadim Diaw, le Congolais en général et les Quinois en particulier, rencontrés en ce jour dans les rues de la capitale congolaise, félicitent et saluent la décision prise par la fédération pour la ténacité dans ce dossier. On les écoute au micro d'Harry Kazadi et Fatoum Boukou. Par rapport à ça, je suis content parce qu'on commence enfin à entreprendre des projets qu'on mène jusqu'à l'aboutissement. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas trop d'organisation dans la fédération, on ne voyait pas trop les choses clairement. Maintenant, on commence à voir quand même les résultats du projet et on voit un projet compréhensible et lisible. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que la fédération aussi s'implique dans la sélection. Via la décision de la CAF, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, que notre pays introduit un procès vers la CAF et puis la CAF puisse répondre positivement. Et vraiment, sur cette décision, nous sommes vraiment, vraiment contents et vraiment, je félicite notre fédération pour ce qu'il vient de faire. C'est ma toute première fois de voir ceci parce que. On a fait des années, si on a un problème au niveau de la CAF, notre fédération, donc ça lui rend un peu difficile à réaliser ce qu'il a fait aujourd'hui. Je suis vraiment très content de voir ceci. Donc je remercie vraiment notre fédération qui puisse encore aller de l'avant. C'en est complètement fini, madame, monsieur, pour ce soir. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre. À la une, nous avions parlé de cette actualité où Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par l'EAC dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC et ancien président de la République du Kenya, est arrivé ce mercredi 12 juillet dans la ville de Goma pour une mise en œuvre des décisions visant le cantonnement et désarmement du M23. Plusieurs personnalités de marque ont répondu favorablement à cette rencontre. Et puis en justice, alors qu'il a reçu pour la énième fois le mandat des comparutions émis par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, les sénateurs Matatin Ponyosap, l'autorité de toute une institution. Vous aviez également suivi cette actualité en page sportive que les Congolais rencontrés en ce jour sur les rues de Kinshasa félicitent et saluent la décision prise par le comité de discipline de la CAF sur les dossiers RDC Mauritanie concernant le joueur Kadim Diaw. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal qui a été coordonnée par Diedoné Masunda. Merci également à toute l'équipe technique, notamment Charlie Kitenge, Toussaint Lobaki et Nagangu Dimossi. Au revoir et à la prochaine. Deuxième rue, ma télévision. Kizamina Kibila, Jean Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi
18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Nginga na stade de martyr et zali seul rendez-vous il y a prière pour na mboka pe prière pour na ba famille blocage stérilité paralysie malade et oumeli l'évangéliste international Kizamina Kipila Jean Oscar Alobi si ton Dieu est mort et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus Christ. Ah! Pour la CPC 2023, dans le ah, internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte internet depuis l'espace. Je suis connecté super partout, c'est super simple et en plus, super rapide. C'est Connect. Le haut débit jusqu'à 50 mégabits par seconde à partir de 40 000 francs congolais par mois. C'est super, non ? Rendez-vous sur connect.com. Dixième rue, ma télévision. Ah, voisin! Voisin, Hollande na télévision. Té? Comment le solo? Yango bateau vraiment, balingi ni na bizo. Nini ni soso? Moi commerce wa mke mke. Oh, basi na biso bazo sala. Vraiment, to foute la ngom papu. Ha! Paku! Ataba te kya mikate! Makala, Ndakala, Malewa, ba mama bilanga. Ah! Ah! Te bandeko, likambo ya mpako tali bango nyonso. Nante nini? Mwana nyonso ya Kongo, tope mupaya nyonso, oya pona Kongo lokola mboka na ya mibale, oya sala ka mumbongo, to aktivite. E sengeli ya futa mpako. Kasi bango bazana entreprise te.